Allez, salut à tous, ici As The Peak, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est super. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, deuxième épisode de Kill de Patrick. Évidemment, nous on enchaîne, hein. Ça fait même pas 17 secondes que j'ai coupé. Et on s'était retrouvé arrêté juste devant cette petite grotte, ici. Enfin, cette entrée de grotte, disons, où je vais essayer d'entrer sans prendre de dégâts. Donc on va faire ça comme ça. Moi c'est les squelettes qui me font peur. Oh, il y a mineshaft. Oh putain, squelette. Oh putain, creeper. Oh, et quelqu'un est mort. Oh putain, le stress. Alors, qui est mort? J'ai pas vu. C'est Aznet. Aznet est mort. Bon, ben voilà. Comme quoi, hein. Un doué est mort. Enfin, un doué. Quelqu'un qui était arrivé pour 3ème dans la première saison est mort. Bon, ben, GG Aznet. GG. Pouce vert pour ton deuxième épisode. En effet, il est mort au tout début du deuxième épisode. Pas de chance pour Aznet. Bon, on va récupérer ça. On a pas mal de stone. On récupère la table de craft également. Voilà. Et on va essayer de rejoindre ce mineshaft, même si c'est super risqué. Il peut y avoir du bonbon stuff. Pas mal d'or. Donc ça va être important. Alors, par contre, on va bien éclairer. Et le mineshaft est par là-bas. Squelette qui prend des dégâts, j'ai l'impression. Alors, Aznet, qui est en train de parler sur Skype, j'ai Skype sous les yeux, Je ne veux pas regarder Skype, j'ai autre chose à faire pour que de regarder Skype. Alors, on a une grotte juste à côté là. Toujours un peu en avance pour voir ce que ça donne. Hop, j'ai fait un truc que Nox a fait qui était une très très bonne idée, c'est des demi-dalles. On surveille bien qu'il n'y ait rien ni personne par là-bas. En cobble, on va en faire quelques-unes. Voilà, comme ça. Qui vont nous permettre. Mes torches, là. Qui vont nous permettre d'observer par un petit trou. Donc là, par exemple, on va essayer de faire ça comme ça. J'arrive pas à savoir si c'est la grotte, par contre. Non, c'était pas la grotte. Où elle est? Où est la grotte? Alors, je sais pas où est la grotte. Un peu au-dessus, j'ai l'impression. Ah, c'est là. Par contre, ça... Vous voyez, ça, c'est super dangereux, donc on fait comme ça. Ah, du coup ça ne peut pas rentrer. Et j'aimerais savoir où est le mineshaft. Apparemment par là-bas. J'arrive pas à voir. Ah, il est juste... Ok, je suis juste à côté. On va reboucher. Je suis juste à côté du mineshaft. Alors par contre ça me fait un peu peur de me frotter un mineshaft, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je ne prendrai pas de risque, je ferai une backup si jamais. J'ai déjà presque pute, j'ai déjà bientôt pété ma pioche, génial. Donc voilà, donc ne pas oublier aussi que l'on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes sur la map. Alors, où est le mineshaft? J'étais juste à côté. Au-dessus? Non. Petit problème de centre, sens de l'orientation. Alors, il y a un squelette qui m'a vu. Faire comme ça. Il y a un... Ah, le squelette. Allez, j'aimerais le voir. Ah ouais, d'accord. Bah j'étais juste. Ah non, je suis monté trop haut. Il y a juste là, mais par contre il y a un squelette sur le chemin, donc ça me fait très très peur. Il doit être là, en théorie.
c'est pas possible. Je suis pas fou pourtant. Nox qui dit May, Nox est à 19 points de vie. Ah, ouais, ça va, il a perdu un point de vie. Et j'ai cassé ma pioche. Table de craft. Merde. Bon bah. Cushion time. On va reboucher là-bas. Hop. Et voilà, comme ça. Et on va regarder ce qu'il n'y a personne. Pas l'impression. Mais par contre, j'arrive quand même pas à savoir où est ce foutu mineshaft. Je suis juste au-dessous. Ok, en fait, il doit s'arrêter dans le mur ici. Ça doit être ça. Alors, hop, on se fait une pickaxe. J'ai plus de stick. Une pickaxe, voilà. Parfait. On va pas attendre de faire fondre le reste, pas besoin. Donc ça doit être par là, en théorie. Ah, on est juste en dessous. Ouais, ok, il s'arrête bien dans le mur, là. On est à la limite, et ça m'arrange vraiment pas. Ça veut dire que je suis obligé d'aller me frotter au squelette qui est là-bas. Voyez ça? Allez, on va faire ça comme ça. Hop. Oula, oula, oula. Alors, il n'y a plus de squelette sur le chemin. Mais par contre, le fait que ce soit ouvert comme ça, ça ne me plaît pas du tout. Alors, on prend zéro risque, hein. Mais vraiment, zéro de chez zéro risque. On va tout fermer ici. Le plafond également. Il y a un squelette juste là, je l'ai vu. J'espère que personne n'arrive pas derrière non plus. Ça grouille de tous les côtés. Ça grouille de tous les côtés. Oh, Shorty est mort. Adieu, Shorty. Ce fut un plaisir. Shorty est mort. C'est vraiment un massacre cette saison. C'est un massacre. On n'est plus que 16. Je pense que Shorty n'a même pas encore d'écho, donc on doit être 15. Donc ça fait déjà 5 morts. Oh mon dieu. Oh le risque. Oh, le squelette m'avait vu. Ok, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. On va récupérer ça, ça. Quoi, j'ai le stuff plein. Oh putain, j'ai le stuff plein. Gravel. Redstone. Flint on guard pour des flèches. On va faire des torches avec ça. Ok, on y va comme ça. On va pas descendre. C'est trouver un coffre. Il nous faut de l'or. Oh non, là il y a des araignées. Là, pas du tout, non. Absolument pas. Absolument pas. Alors ça on va ramasser. Ça on ramasse, on ramasse. On a suffisamment de ficelles. 3, parfait. Du fer, j'en ai 2. On va faire fondre un peu de fer. Mon four, il est là. Il est là, il est là, il est là. Hop, hop. Et je suis déjà au bout du Minecraft, j'ai fait tout ça pour ça. Fuck it. Pomme d'or redonne combien de cœurs? 2. 2. Alors c'est pas 3, c'est pas 2 ennemis, c'est 2. D'accord. Alors, ça, c'est bon. Les araignées empoisonnent, hein. Donc ça, c'est vraiment la merde. On fait un saut. On va récupérer la source d'eau. Il y a juste là. Ça pourrait nous être utile. On éclaire correctement. Personne autour. Très bien. On va mettre ça un peu plus à portée. Comme ça. Moi j'ai fait de la place dans l'inventaire un peu. Le fer, on y va comme ça. Ça devrait être bon. Et on va contourner cette saloperie d'araignée. Ces saloperies d'araignée. Allez, ah, de l'or, ah, yes, de l'or. 2,
3, 4, 5, 6. Très très bien. 6 or, donc on a bientôt une pomme d'or. Oh putain, on fait comme ça. On a le spawner juste là. Très très bien. Alors, spawner est loin. On va faire comme ça aussi. Vite fait, juste le temps de virer 2-3 sources, 2-3 toiles d'araignée. Ah, voilà. On y va comme ça. On rééclaire. Vous savez quoi, on va fermer ici aussi. Hop, comme ça, les gens ne peuvent pas nous retrouver. Il y a encore des araignées, mais il n'y a plus de spawner. Oups. On joue safe, hein. On joue complètement safe. Voilà. Là, ça doit être bon. Ok, les araignées, c'est bon. Les araignées, c'est fait. On va ramasser un petit peu de charbon. Parce que YOLO. Là, il n'y a rien. Quand il y a un squelette pas loin, je l'entends. De l'or. Voilà. Et là, directement, on a assez d'or. Donc, on va faire nos 8 d'or. Notre première pomme d'or. Parfait. Alors, four. Viens ici. Or. On a 12 d'or. Très, 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 très bien. Ça, c'est la grande classe. Pendant ce temps, cobble, cobble. Cobble. On va aller ici. Ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mob. Ça descend. Ça descend, il y a une toile d'araignée. Est-ce que... Ah, il y a des araignées là. Mais il y a de l'eau. Mais par contre, on va quand même pas y aller, pas prendre de risque. Cassos. Alors ça c'est bon, c'est nettoyé. Ensuite, 3 d'or. Ensuite, suivant. Hop. Ici, on a un mur. Donc apparemment... Ah si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors du coup, on va faire ça. Merde, j'arrive pas à y aller. Comme ça et comme ça. Ok, là c'est safe. Les araignées sont à gauche, donc ça va. Rien de grave pour le moment. Ici. Comme ceci. Est-ce qu'on a un mob? J'arrive pas à savoir ce que c'est ce truc. Ok, c'est un pilier, donc on va aller par là. Et pour ne rien oublier, on va attendre que l'or finisse. Par contre, j'ai trouvé du salut. Ah oui, toujours 20, tu trouves pas de gravier. Oh, pff, ok. Ça troll, ça troll, ça troll, ça se taunt dans les commentaires. C'est pas grave. Enfin, dans les commentaires. Pff, oh, le réflexe. Dans le chat, voilà, une pomme d'or. Très bien. Qu'on ne gaspillera pas. Alors, qui est Maruku 8, Elvi 14, Zaiden 13, Tech est toujours à 20 également, Nox 19. Ion 12, Fanta 11, Fanta est encore bien, très bien. Ok, ça on récupère. Ça on récupère aussi. Ouh, vous voyez ça? Ça fait peur. Bon, alors, ici. Comme ça. Comme ça, voilà. Le fer, on ne récupère plus. On en a assez. Les rails, ça, c'est juste pour pouvoir faire la petite sécurité comme ceci. Panob, excellent. Waouh, 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 il y a un truc qui est tombé. C'est une araignée. Ok. Ok, no stress. No stress. Ça me fait peur ces bruits. J'aime pas ça. Et j'ai nouveau le stuff plein. L'étoile d'araignée, j'aime pas. Y'a rien à gauche.
Ah putain de rail. Voilà, gauche c'est bien fermé. Ok. On va faire un peu d'ordre. Petite poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on liquide? Cobble, on en a bien 3. Cobble, cobble. Hop, on va garder un stack. On va se faire un arc. Ouais, ça sert à rien pour le moment. On n'a pas de flèche. Pourquoi j'ai deux styles de planches? Celle-ci, on va faire des sticks avec. Hop, ça en liquide. La stone, on garde. Cobble, on garde. Ouais, allons-y comme ça pour le moment. Bon, suivant. Ça, on va casser parce que YOLO. Parce que ça va nous faire chier sinon. On fait ça là, ça là. Avant de casser ça, on va casser ça. On va poser ça, voilà, comme ceci. Merde, c'est pas là que j'avais le poser. Comme ça. Alors, il y a de la lave. On va pouvoir se faire un saut de lave aussi, ça peut être pas mal. Et là, pas de mob, non. Oh là là. Il y a une araignée qui est morte là. Il y a du fil. Oh non, oh non. Oh putain. Putain, ça court vite, ces saloperies. Oh mon dieu, j'ai eu peur. Ok. Ok, on va pas aller par là. Là-bas, on n'est pas allé. D'ailleurs, j'avais même pas fermé mon entier. C'est bon. Oh, rollback. Vilain, les rollbacks. Ok, là c'est fermé, ça ne servait à rien. On n'a pas encore croisé de squelette vraiment agressif, donc ça c'est une bonne nouvelle. On vérifie qu'il n'y a pas d'or. J'entends des araignées partout, ça me fait vraiment peur. Vous savez quoi, on va, je pense, arrêter l'exploration du mineshaft. Et on va aller à la chasse aux diamants. Là il y a vraiment trop d'araignées. J'ai tout récupéré, mon four gelé. Ouais, j'ai mon four. Oh putain! C'était ma poubelle. Je suis à quelle couche là? 25. On va descendre un peu. Et puis on va éliminer. Donc on va faire comme ça. Hop. Hop. Comme ça, on va mettre de la stone. Comme ça, personne ne voit qu'on est passé par là. Et go! D'ailleurs, on va se débarrasser de ceci. Pour le moment, on n'a plus besoin. La cobble qu'on a ramassée, on s'en fout. Et on y va comme ça. De toute façon, on va continuer de ramasser de la cobble. Hein. Alors. Oh putain. Ça, j'aime pas. C'est encore ouvert. Hop là. Alors, on va juste regarder qu'il n'y ait pas un coffre. J'ai plus mes demi-dalles. Ok, c'était juste là. Il y a deux creepers là-bas. Bonjour messieurs. Est-ce que vous gardez quelque chose d'intéressant? Ah non, il y a un zombie et un creeper. Est-ce que vous gardez quelque chose d'intéressant? Dites-moi. Non, trop dangereux. Beaucoup trop dangereux, beaucoup trop d'araignées. Descendons encore. Couche 16. Ils peuvent pas passer, on est d'accord. Ah si, ils peuvent passer. Hop. Hop. Et hop. Voilà, sécurité avant tout. Alors, couche 15, 14, 13, on va se mettre à la couche 12. Je crois que c'est... théoriquement, c'est la couche 13 la plus opti. Moi, je préfère la couche 12, je sais pas pourquoi. Bon, je suis en couche 12, c'est parti pour le minage. Désolé pour le minage linéaire. On va vérifier qu'on ne soit pas suivi. Je pense que là, on s'est bien protégé pour ne pas risquer d'être suivi. On est encore 15 quand même. 15 joueurs, c'est pas mal. Il y a encore du défi. On a du diamant, on a du diamant. On a du diamant. Alors par contre, celui-ci, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, donc on va faire comme ça. Je suis au-dessus là? Ouais. Ouais, vous voyez pourquoi j'aime pas? Voilà, bon, il y a de la dirt, ça va. Mais il aurait pu y avoir le vide. Bon, 3 diamants.
Alors, ça, c'est une erreur que Pierre s'est fait refaire dans la saison 1, c'est de ne pas regarder ce qu'il y avait autour, s'il y en avait encore, parce qu'il peut y en avoir plus. Trois diamants, on peut se faire. Qu'est-ce qu'on fait? L'épée en premier? Moi, je pense plutôt que la pioche. Ouais, non, on va faire une épée. On va faire l'épée, ça va être le plus important. C'est pas ça que je veux, sa table de craft. Épée en diamant. Yeah! Deuxième épisode, on a l'épée en diamant. Je pense que. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Par contre, le stuff vraiment full, ça commence à me faire chier. Donc, on va prendre quelques secondes. Déjà, je pourrais faire cuire tout mon poulet. Ce serait déjà une bonne idée. Hop. Ça fera un slot de moins. On va pouvoir manger un poulet aussi. À table. Voilà, ça c'est fait. Les côtelettes, on va faire cuire aussi. Plume, torche. Du bois. On va tout garder. La cobble, sans liquide. Le fer. On va même pas garder le fer en fait. On peut se faire un deuxième seau. On va se faire un seau d'eau, un seau de lave. Ah, un briquet. Ça c'est important. On va se faire un briquet. Hop. Dans l'autre sens. On va se faire un briquet. Du coup, le reste du fer, on va en faire fondre un pour faire un deuxième seau et le reste on va liquider. Le poulet ça cuit. Et on est niveau 11, là il y a de quoi de faire du bel enchant aussi. Ah non, mais il faut que je me fasse une pioche. Non, on va garder le fer. On va garder le fer. Par contre, je vais faire un deuxième four. Voilà. Ah, qui est-il ? Zephyr Déco. Zephyr Reco. Parfait. Alors, le poulet, c'est presque bon. Alors la musique ne colle absolument pas avec l'ambiance actuelle, c'est-à-dire le stress. Alors poulet, parfait, on va mettre le côtelette. Le fer, on va se refaire une pioche. Voilà, on va même liquider celle-ci. Liquider celle-là aussi. 3 de diamants sur le sol, ça fait lag. LOL! On va se crafter l'arc déjà. C'est moi le problème ou. Putain, non, oui, c'est moi le problème. Évidemment que c'est moi le problème. Comme ça. Voilà. Du coup, on peut liquider les deux ficelles entre eux. L'arc, on en a pas besoin pour le moment, on n'a pas d'épée, on n'a pas de quoi en faire. Pas de flèche, on n'a pas de quoi en faire. L'épée en fer, on va liquider ça. Hop, tout ça de moins. Voilà, 7 fer, on va y aller, je crois. On va y aller. On va récupérer ça. Faire encore le saut qu'on voulait faire, et après, on va liquider les 5 fer qui restent. Voilà, et on y va comme ça. Par contre, je need mes blocs ici. La pomme d'or, on va garder là. Voilà, allons-y comme ça. Alors, et on récupère encore du fer, évidemment. Alors qu'on n'en veut pas, il nous faut de l'or, mec. Il faut de l'or, c'est bien du fer, ça. Ouais, c'est bien du fer. Et il nous faut de l'or. On va faire la feinte changement de direction. Hop, alors regardez comment on fait ça, on va ici. Donc on creuse un peu un bout par là, on fait comme ça. On met une torche là. Et la stone, voilà. Et là ils ne savent pas par où on est passé. Vous pourriez sécuriser avec une deuxième couche, hein, mais une suffit. Une suffit, on va se limiter à ça. Bon, alors espérons trouver une grotte ou de diamants, aussi vite que possible. D'ailleurs, dans quelle direction on va? Donc le terrain est limité en plus 1000, moins 1000. Et on se dirige vers le 0, donc ça va bien, on se dirige vers le centre. J'entends une araignée de nouveau. Ça me plaît pas.
Oh Fanta! Oh non Fanta! Adieu Fanta, GG. Attends, de là, là avant plus, il a fait ça. C'est un honneur à. Ça doit être un honneur à Bob, je pense. Bah GG Fanta, il aura quand même tenu deux épisodes. Et arrivé 15e. Bon, le fer, on s'en fout. Nous, il nous faut du diamant. Ou surtout de l'or aussi. L'or va être très très important. Mais du diamant, s'il vous plaît. Deux diamants de plus, idéalement. Est-ce qu'on a quelqu'un qui se balade quelque part? J'ai pas l'impression. On a vu personne encore. Bientôt une heure qu'on recorde. Ouais, on a vu personne. Ah, j'entends la lave. Ça, c'est dangereux du coup, le gravier. Alors, où est la lave? J'arrive pas à savoir. On va pas fouiller. On va continuer tout droit. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ouais, je sais pas. Pas grand-chose. Pour le moment, j'ai bien réussi à meubler. Je pense que ça fait une heure que je recorde. J'ai bien réussi à meubler. J'ai l'impression. Ah. Juste devant, je crois. De l'eau. Un peu par là. Toujours à couche 11, ouais. Hop. Le charbon, combien on en a? 12. On va ramasser. Ça fait de l'XP. Et c'est pas perdu. Personne ne nous suit, c'est bon. Alors l'eau est bien par là, par ici. Ok. Peut-être juste au-dessus. Ah voilà, on a trouvé. On a trouvé. Alors par contre, on va pas y aller par là. Hein. On va aller par ici. Pas faire le fou. On trouve déjà la limite de la grotte comme ça. Voilà, là on y est. C'est beau, c'est éclairé. C'est une minopti. Et ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Il y a quelqu'un. Et là, c'est le suspense. C'est le suspense. Car il y a quelqu'un ici. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Ou alors, je vais passer pour un boulet et c'est moi. Mais non, ce n'est pas moi. Ah si, c'est moi. C'est la première. On doit avoir le mineshaft par là. J'ai tourné en rond. Ouais, on a le mineshaft par ici. Bon bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on a tourné en rond. On aura quand même trouvé du diamant. Le petit coup de stress qui va bien. Alors, du coup on va retourner par là. Et partir par là-bas. Non, par là-bas. Et une fois de plus, on va reboucher comme ceci. Bon, bah c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mais par contre, je vois qu'on arrive à la fin du deuxième épisode. Donc, merci à tous de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce vers un commentaire, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Allez, bye bye.